discret et efficace. Voici le ministre désigné comme le meilleur selon le lanceur d'alerte Chance Lyon, un ministre de Biya fait presque l'unanimité dans le sérail. Il n'est pas forcément très influent et encore moins implique dans les scandales, mais il serait celui qui était le plus efficace et discret. Discret et efficace, Gaston Eloundou est son bas de l'eau et de l'énergie, et sans doute le meilleur ministre du gouvernement Dion Butte, écrit le lanceur d'alerte. Tant que ministre de l'eau et de l'énergie, il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de production, de transport, de distribution de l'eau et de l'énergie. À ce titre, il est chargé de l'élaboration des stratégies et des plans gouvernementaux en matière d'alimentation en eau et en énergie, de la prospection, de la recherche et de l'exploitation des eaux en milieu urbain et rural, de l'amélioration quantitative et qualitative de la production d'eau et d'énergie, de la promotion des investissements dans les secteurs de l'eau et de l'énergie en liaison avec le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et les administrations concernées, de la promotion des énergies nouvelles en liaison avec le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, de la régulation de l'utilisation de l'eau dans les activités agricoles, industrielles et sanitaires en liaison avec les administrations concernées, du suivi de la gestion des bassins d'eau, du suivi de la gestion des nappes phréatiques, du suivi du secteur pétrolier et gazier aval, du suivi des entreprises de régulation dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Il exerce la tutelle sur les établissements et les sociétés de production, de transport, de distribution et de régulation de l'eau, de l'électricité, du gaz et du pétrole, notamment. La Cameroon Water Utility Corporation, convoité, d'Electricity Development Corporation, EDC, l'Agence de l'électrification rurale, AE, l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL, la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP, la Société nationale de raffinage, Sonara, qui est Chris Mbeul, le futur ministre camerounais de la jeunesse. Beaucoup de jeunes du siècle dans lequel on vit ont choisi la voie de la facilité. Mais il y en a qui préfèrent aussi travailler et suer avant de manger. C'est le cas de Chris Mbeul, dont les photos circulent actuellement sur la toile. Lui-même a écrit sur Facebook. Quand je poste les photos de mon activité, beaucoup de personnes disent que c'est le buzz, qu'un mannequin de mon envergure ne peut pas être commerçant. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je suis bel et bien commerçant avant d'être mannequin. Je n'ai pas eu la chance de poursuivre mes études de génie civil bâtiment, comme je l'espérais. Oui, je suis également technicien de génie civil. Mais entre-temps, il fallait s'occuper, car rester à la maison n'a jamais été mon point fort. J'ai donc commencé à vendre au marché Elie Zoa dans une boutique, avec un monsieur qui m'a appris tout ce que je sais du commerce. Ensuite, j'ai décidé de me lancer en solo et de construire mon empire petit à petit. J'ai rejoint une agence de mode, parc passionné de mode depuis tout petit. Je me suis formé, et je suis devenu mannequin, L'activiste Chance Lyon, comme beaucoup d'autres personnes, en a bluffé. Un seul mot définit ce peuple, résilience. Un boy au charbon sapé comme ministre qui prend fonction. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confiée le créateur, à lui personnellement, et à ce moment précis de l'histoire du monde. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela, en un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé, il a bien accompli sa tâche. » Si tu ne peux être un arbre sur la colline, soit un buisson dans la vallée, mais soit le meilleur buisson à des lieues à la ronde. Si tu ne peux être le soleil, soit une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions. Sois ce que tu es, mais sois le consciemment. Chris Mbeul séduit, de quoi amener des gens à militer en sa faveur, pour qu'il devienne plus tard le futur ministre camerounais de la jeunesse, parce qu'incarnant les valeurs du travail, détermination, respect de la chose publique, civisme, engagement social, etc.